Eh bien, bonsoir, chers amis. On a la chance ce soir d'avoir notre deuxième webinaire pour la Société française de chirurgie orale et avec un sujet tout aussi passionnant que notre premier webinaire, à savoir l'implantologie chez les patients traités par antirésorbant osseux, donc pour qui et à quel moment. Et pour discuter ce soir et présenter justement le sujet, on a la chance d'avoir avec nous notre ami, professeur Géraldine Descailles, qui est donc professeur de l'Université de Paris, praticien hospitalier au groupement hospitalier Pitié-Salpêtrière, coordinatrice du DES, et puis surtout autrice d'articles, notamment sur le sujet de ces ostéonécroses, des traitements, enfin des patients traités par antirésorbant osseux. Donc on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous, Géraldine, ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup Jean-Hugues, bonsoir à tous. Et puis, on va, avant d'introduire un peu plus cette soirée, eh bien, c'est une soirée qui est possible aussi grâce à nos différents partenaires que l'on retrouve habituellement sur nos congrès et qui nous permettent aussi ce soir de vous proposer à toutes et tous eh bien, cet accès à ce webinaire de façon gratuite. Et donc, nous tenons à les remercier chaleureusement pour toute leur fidélité à nos manifestations, aussi bien nos congrès que désormais ces webinaires. Donc voilà, vous pouvez les retrouver, notamment Sunstar et puis Zimmer Biomet et la société Gaslich qui sont les partenaires principaux de la Société française de chirurgie orale. Donc merci à eux. Donc ce soir, on a la chance d'être en live avec à la fois sur YouTube et sur Facebook Live. Donc vous aurez la chance et la possibilité de poser des questions, bien évidemment, directement via les différents modules de ces réseaux sociaux, à savoir que nous répondrons à vos questions à la fin de l'intervention de Géraldine, donc d'ici 3 quarts d'heure à peu près, mais on pourra bien sûr répondre à toutes les questions que vous aurez l'occasion de poser. J'imagine qu'elles seront nombreuses parce que voilà, ça fait 20 ans, et Géraldine va en reparler, qu'on est confronté à ces difficultés d'ostéonécrose hein, depuis mars en 2003. Bon, il y a eu des précédentes recommandations en 2010. Et voilà, qu'en est-il maintenant, en fait, avec 20 ans de recul sur ces ostéonécroses, où on avait une grande peur et ça avait figé nos pratiques? Et bien maintenant, voilà, qu'est-ce que l'on peut faire chez ces patients et pour qui et surtout à quel moment? Donc, merci beaucoup, Géraldine. Et puis, je te laisse la parole. Et puis, merci aussi, parce qu'on ne le voit pas à côté, mais il y a Jérôme Lépovitz qui est juste à côté et qui nous permet, grâce à ABC Dents, de nous rejoindre ce soir. Et c'est très, très chaleureux. Un grand merci, Jérôme, aussi d'être là. Géraldine, je te laisse la parole. Merci Jean-Hugues. Donc bonsoir à tous. C'est effectivement une thématique vraiment importante qui pose beaucoup de sujets. Bon, on a beaucoup de praticiens qui nous posent des questions et qui nous adressent leurs patients pour ces patients qui sont traités par des bisphosphonates et du denosumab, et on va en parler tout de suite. Donc comme tu le disais Jean-Hugues, tout a commencé en 2003, première description de l'ostéonécrose des mâchoires chez des patients traités par des bisphosphonates par voie intraveineuse. Depuis, un grand nombre de publications ont lieu sur ce sujet-là, comme vous pouvez le voir. Il continue à y avoir énormément de publications. Alors de quoi parle-t-on? Ces ostéonécroses, eh bien, elles peuvent survenir à la fois au maxillaire et à la mandibule, et puis parfois donc à la fois dans les deux cas, au maxillaire et à la mandibule en même temps, malheureusement, comme vous pouvez le voir. Donc on a environ majoritairement 65% de ces ostéonécroses qui sont à la mandibule. Alors c'est vrai que c'est un site privilégié d'ostéite, puisque c'est un site moins vascularisé que le maxillaire. Toutefois, le maxillaire peut être atteint, et malheureusement, chez certains patients, on retrouvera des ostéonécroses sur les deux sites. Alors, on distingue classiquement quatre stades de ces ostéonécroses, hein, comme l'a décrit l'AOMS en 2009. Ces ostéonécroses donc, peuvent être sans exposition osseuse, c'est le fameux stade 0, où on va avoir des signes pas forcément très évocateurs, avec des surinfections locales, on ne voit pas d'exposition osseuse, des mobilités dentaires.
Ici, sur cette photo, en haut à gauche, je vais y arriver, on voit donc un stade zéro avec une alvéole surinfectée, donc un an après l'extraction dentaire chez une patiente traitée pour un cancer du sein avec des métastases osseuses sous bisphosphonate par voie intraveineuse. Un an après l'extraction dentaire, bien qu'il y ait eu cicatrisation muqueuse, eh bien, il y a survenu de cette ostéonécrose. On distingue trois types, enfin, trois stades d'ostéonécrose en fonction du caractère symptomatique ou non et de l'étendue de cette ostéonécrose. Le stade 1 correspond à une ostéonécrose qui est asymptomatique et sans signe de surinfection, tandis que les stades 2 et 3 sont des ostéonécroses symptomatiques, le stade 3 étant le degré le plus sévère. Vous pouvez voir le cas donc en photo en bas à droite, qui donc représente une ostéonécrose de stade 3 avec des fistules mentonnières qui signent une atteinte évidemment sévère. Alors, quels sont les aspects radiologiques de ces ostéonécroses? Ils sont variés. Ça peut être des ostéocondensations, comme on peut le voir sur certaines de ces photos et ces clichés d'imagerie 3D. On peut avoir des réactions périostées. On peut avoir des séquestres osseux qui se forment, ce qu'on peut voir notamment sur cette coupe de maxillaire où on voit cette localisation de deux ostéonécroses postérieures. On peut avoir des signes radiologiques avant d'avoir des signes cliniques, et bien évidemment, on peut avoir des signes cliniques, donc une exposition en bouche associée à cette imagerie. Il existe de différents facteurs de risque de ces ostéonécroses. Comme vous le savez tous, l'extraction dentaire est malheureusement le facteur de risque majoritaire. Alors toutefois, cela est à pondérer puisque et à nuancer, puisque bien souvent, on va réaliser l'extraction dentaire lorsqu'il y aura des symptômes, une dent qui commence à être mobile. Dans ce contexte de patients traités par ces médicaments à risque d'ostéonécrose, ce qui va entraîner l'extraction dentaire, et c'est là qu'on va révéler cette ostéonécrose et la diagnostiquer. Donc l'œuf ou la poule, il faut quand même se méfier. Donc dans le contexte d'extraction dentaire, c'est là que majoritairement on fait le diagnostic d'ostéonécrose, mais ce n'est pas forcément l'extraction dentaire qui entraîne cette ostéonécrose, même si c'est parfois le cas. On note aussi qu'il y existe des ostéonécroses spontanées, c'est-à-dire sans contexte bucco-dentaire qui serait à l'origine de ces ostéonécroses. Alors, au niveau de la physiopathologie de ces ostéonécroses, on a dit beaucoup de choses. On ne sait toujours pas réellement pourquoi ça survient sur ces os des mâchoires et pas sur les autres os de l'organisme. Alors, c'est vrai qu'on a des os qui sont quand même atypiques et puis on est en contact privilégié avec la cavité orale qui est évidemment une cavité septique où il y a énormément de bactéries, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sites de l'organisme. On a une muqueuse qui est extrêmement fine et des gestes qui vont donc mettre en contact les bactéries de la cavité orale et l'os de la mâchoire. Alors, quelles sont les molécules en lien avec ces ostéonécroses? Vous le savez, il y a les fameux bisphosphonates hein, qu'on connaît depuis 2003. Et puis, il y a également le denosumable, qui est un anticorps monoclonal dont on va reparler après, qui n'est pas un bisphosphonate, bien que souvent les gens l'associent. Ce sont des molécules qui ont les mêmes indications, comme on va le voir bientôt. Il existe aussi des cas qui ont été rapportés en lien avec des anti-angiogéniques, notamment des molécules donc données dans le cadre oncologique, comme le sunitinib ou le bevacizumab. Ce sont des anticorps. Le bevacizumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le VEGF, donc le vascular endothelial growth factor. Le sunitinib va également être dirigé contre cette molécule, bien qu'il ne s'agisse pas d'un anticorps monoclonal. Ces agents qui donc donnent lieu à, enfin, qui sont anti-angiogéniques peuvent donc entraîner directement des ostéonécroses, mais bien souvent, ils vont surtout potentialiser l'efficacité, enfin, en tout cas pas l'efficacité, mais en tout cas potentialiser malheureusement les ostéonécroses qui sont liées au bisphosphonate et au denosumab. Alors pourquoi on donne ces antirésorbeurs osseux? Ils ont une indication dans les pathologies malignes et dans les pathologies bénignes. Ce sont des inhibiteurs de la résorption osseuse. On va les donner donc dans le cas de métastases osseuses de certains cancers solides, on reviendra dessus. Dans les myélomes de stade 3, donc c'est-à-dire des myélomes avec des lésions osseuses ou encore dans les ostéosarcomes.
Et donc, de manière extrêmement large, ces inhibiteurs de la résorption osseuse sont indiqués dans le cadre de l'ostéoporose, enfin, ou j'ai envie de dire des ostéoporoses classiques, hormonales, post-ménopausiques, ostéoporose cortico-induite, la maladie de Paget ou encore l'ostéogénèse imparfaite. Les objectifs de ces inhibiteurs de la résorption osseuse, ça va être de diminuer bien évidemment le risque de fracture, mais également de diminuer la douleur ou encore de prévenir l'hypercalcémie. Ce sont donc des molécules extrêmement importantes dans le traitement de nos patients. Dans les indications oncologiques, on va noter, donc je vous ai dit, il y a le myélome, mais en dehors du myélome, certains types de tumeurs solides qui sont connues pour donner plus de métastases osseuses. Le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme, les cancers du poumon bien sûr. Ce sont donc avant tout ces trois types de cancers qu'on va retrouver à l'origine de ces ostéonécroses, puisque c'est ces cancers qui vont donc donner le plus de métastases osseuses, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Ces traitements sont vraiment importants chez ces patients, puisqu'ils vont essayer de limiter la survenue de ces événements osseux, donc notamment des fractures qui sont fréquentes chez les patients, comme vous pouvez le voir sur le schéma du bas. Autre indication, et ça concerne énormément de nos patients, eh bien, c'est l'ostéoporose. Donc, ces traitements inhibiteurs de la résorption osseuse sont des traitements efficaces pour éviter les fractures sévères. On pourrait bien penser que ces traitements ne sont pas indispensables, que l'ostéoporose n'est pas une pathologie, et pourtant si, c'est une pathologie et il faut la traiter. Les bifosphonates sont un des traitements, enfin, est un traitement principal, enfin je dis les bifosphonates puisqu'il en existe par voie orale ou par voie IV, sont des traitements très importants contre l'ostéoporose et le denosumab est venu en soutien, en deuxième intention depuis quelques années à ces bifosphonates dans le traitement de ces ostéoporoses. Comme je vous le disais, l'ostéoporose, c'est vraiment une pathologie à traiter. Ça ne concerne pas que les femmes, puisqu'on pourrait se dire que voilà, on connaît bien l'ostéoporose post-ménopausique, mais les hommes peuvent tout à fait être atteints d'ostéoporose, notamment d'ostéoporose cortico-induite, mais pas que. On voit qu'en fonction de l'avancée de l'âge, évidemment, ce risque de survenue d'ostéoporose et surtout de fracture est plus important. 400 000 fractures sur ostéoporose en France, dont un certain nombre du col du fémur, plus de 50 000 chez les femmes et environ 15 000 chez les hommes en 2013. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a 25% de décès dans l'année qui suit une fracture du col du fémur. Donc on ne peut pas dire que ce soit une pathologie, bien que ce soit une pathologie bénigne. C'est une maladie à traiter comme les autres. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de molécules en lien avec ces ostéonécroses. On va retrouver le même type de molécules dans ces indications de pathologie bénigne ou maligne, avec des noms qui vont être différents, puisque les posologies ne seront pas du tout les mêmes. On va avoir donc des traitements qui sont similaires, mais donnés avec des doses qui ne sont pas du tout les mêmes, et donc avec des risques qu'on va le voir tout à l'heure, qui sont complètement différents. Au niveau de l'indication oncologique, on va retrouver des bifosphonates par voie intraveineuse comme le Zometa, qui est donc injecté une fois par mois toute l'année, et cela pendant 2 ans, tout comme le denosumab sous sa forme qui s'appelle le XGEVA. Donc là, on est face à deux molécules qui sont injectées par voie alors intraveineuse pour les bifosphonates et par voie sous-cutanée pour le denosumab, qui donc vont être données de manière mensuelle pendant au minimum 2 ans. Dans les pathologies bénignes, on va retrouver une forme par bifosphonate par voie intraveineuse qui s'appelle l'Aclasta, qui correspond tout à fait au Zometa, mais qui va être donnée une fois par an. Donc le rythme n'est pas du tout le même, avec des conséquences qui vont être évidemment complètement différentes. Pour le denosumab, donc la forme donnée dans les indications bénignes, c'est le Prolia, qui va être injecté par voie sous-cutanée une fois tous les 6 mois. Donc les mécanismes de ces inhibiteurs de la résorption osseuse, pardon, sont très différents. Comme je vous le disais dès le départ, le denosumab, ça n'est pas un bifosphonate. Et ça, c'est très important de le comprendre, puisqu'il y a tout un tas de conséquences qui sont liées à ça. Les bifosphonates vont se lier aux cristaux d'hydroxyapatite et donc rester au niveau osseux pendant très longtemps. Et vous le savez tous, on parle de dizaines d'années de fixation à ces cristaux d'hydroxyapatite.
Le denosumab agit pas du tout de la même manière. C'est un anticorps monoclonal dirigé contre le rank ligand. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas tous les anticorps monoclonaux qui donnent des ostéonécroses, mais les anticorps monoclonaux dirigés contre certaines cibles, et notamment contre le rank ligand, qui est une action dans le remodelage osseux. Ces anticorps monoclonaux, à la différence des bisphosphonates, ne vont pas se lier du tout aux cristaux d'hydroxyapatite et vont être éliminés assez rapidement, en quelques mois. On comprend aisément que les conséquences sur la prise en charge vont être complètement différentes, avec des molécules qui vont être éliminées beaucoup plus rapidement dans le cas du denosumab. Alors, quels sont les risques maintenant d'ostéonécrose dans ces différentes indications? Dans les indications bénignes, on sait que le risque est autour de 1 pour 1000, 1 pour 10 000, 1 pour 100 000 selon les publications, plus apparemment, enfin a priori autour de 1 pour 10 000. Là, je vous ai mis une étude de 2015 qui était intéressante sur des cohortes extrêmement, enfin, des cohortes très grandes, qui montrent un risque d'ostéonécrose qui est au final très faible et qui est évidemment plus important chez les patients traités par des bisphosphonates dans le cadre de l'ostéoporose, mais qui reste quand même raisonnable à la hauteur de ces cohortes extrêmement conséquentes. Le risque d'ostéonécrose sous bisphosphonate par voie orale est estimé à 0,02% ou à 0,1% selon les études. Sous bisphosphonate oral, bon là c'est marqué 0,21%, c'est vraiment extrêmement différent selon les études, mais reste très faible. Sous bisphosphonate IV dans des indications bénignes, donc avec une injection annuelle, le risque reste très faible et il est relativement semblable avec le denosumab. Pour autant, on sait que dans certaines indications, le risque est augmenté, notamment dans le cadre de comorbidité, et notamment dans le cas de polyarthrite rhumatoïde, mais pas que. Donc lorsqu'on a des corticoïdes qui vont être associés à ces traitements inhibiteurs de la résorption osseuse, notamment dans le cadre d'ostéoporose, le risque sera augmenté, comme on va le revoir. Donc globalement, le risque d'ostéonécrose dans le cadre d'ostéoporose, toute cause confondue d'ostéoporose, donc qu'elle soit donc cortico-induite, donc avec une décomorbidité ou post-ménopausique, on en est à environ 1 pour 10 000. Le risque lié à la dose cumulée de bisphosphonate, que ce soit par voie orale ou IV, augmente avec les années. Le risque d'ostéonécrose avec, dans le contexte de métastase osseuse est nettement supérieur. Donc là, on sait que le risque il est forcément supérieur à 1 et peut atteindre 17% lorsqu'il y a une association avec des anti-angiogéniques. Le délai moyen de survenue d'une ostéonécrose dans une indication maligne, c'est 24 mois. Donc d'ailleurs, le traitement est généralement de 2 ans, donc de 24 mois, ce qui correspond à 24 injections, soit de denosumab ou de Zometa, donc de bisphosphonate par voie intraveineuse. Enfin, le risque d'ostéonécrose est relativement identique entre les patients, enfin, chez les patients traités par des bisphosphonates ou par denosumab, quelle que soit l'indication, c'est-à-dire que le risque est identique chez les patients pour des pathologies malignes, qu'ils soient traités par des bisphosphonates ou du denosumab, pardon, et également dans les indications bénignes, le risque est identique entre les deux groupes. Bien sûr, le risque est nettement supérieur chez les patients qui sont traités dans des indications maligne. Donc on peut schématiser les choses de cette manière-là. D'ailleurs, on avait fait un article dans l'EMC avec le docteur Baroun qui travaille avec moi sur ces sujets-là à la Pitié-Salpêtrière dans notre service. Et donc pour schématiser, vous avez les patients qui sont donc traités dans des indications bénignes qui restent à faible risque, les patients traités dans des indications malignes à haut risque, et les patients qui sont traités depuis de nombreuses années par ces traitements dans des indications bénignes avec ou sans association avec des comorbidités qui vont avoir un risque modéré et qui peuvent même être à risque élevé selon la durée du traitement et des comorbidités associées. Alors maintenant, on en vient au cœur du sujet. Quel risque en implantologie? Alors bien sûr, ce que je viens d'expliquer précédemment correspond, enfin, va également être vrai pour l'implantologie. Alors que dit la littérature et y a-t-il des recommandations? Alors les premières recommandations, vous les connaissez tous. On les a reçues en 2007 par l'AFSAPS, qui est maintenant l'ANSM, bon, ça c'est pas grave. Donc décembre 2007, première recommandation.
sur le sujet avec une grosse alerte sur les risques d'ostéonécrose en lien avec les bisphosphonates. À l'époque, il n'y avait pas encore le denosumab et encore très peu de patients traités par des bisphosphonates par voie IV dans des indications d'ostéoporose. En 2012, des recommandations de la Société française de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale ont été éditées en association avec d'autres sociétés savantes, dont la Société française de chirurgie orale. Nous avons donc émis des recommandations de bonnes pratiques. Alors, c'est vrai qu'on est en 2021, c'était en 2012. Donc, quelles conclusions en 2012? Bien les mêmes que ce que je viens de dire, hein, c'est que le risque d'ostéonécrose dans les indications bénignes est faible, qu'il n'y a pas de contre-indication implantaire chez les patients sous bisphosphonate par voie orale dans les indications bénignes, même s'il y a un risque qui existe et que le patient doit évidemment être prévenu de ces risques. Le risque zéro chez ces patients n'existe pas. Que le risque est élevé chez les patients dans une indication oncologique. À l'époque, on avait très peu de données chez les patients traités dans une indication bénigne avec des bisphosphonates par voie intraveineuse, donc de manière annuelle. Il n'y avait aucune précision dans le cas du denosumab, puisque c'était une molécule qui était encore très peu utilisée. Et on va voir maintenant où nous en sommes depuis. Donc j'ai fait une analyse de la littérature actuelle pour savoir un petit peu où on en est et je vais vous parler déjà des risques pour des implants qui sont ostéo-intégrés avant de démarrer le traitement. Donc on a un certain nombre de publications sur le sujet qui montrent que bien évidemment on peut avoir des ostéonécroses qui surviennent chez des patients qui ont été traités donc par ces molécules et qui ont des implants en bouche. Donc là, c'était un rapport de 11 cas, il y en avait 8 sous alendronate, donc pour vous dire que ça peut survenir avec des bisphosphonates par voie orale, un sous Ometa et deux sous Xgeva, donc qui est le denosumab. Je vais maintenant vous montrer quelques cas cliniques qu'on a suivis à la Pitié-Salpêtrière. Donc là, vous pouvez voir cliniquement des ostéonécroses sur les sites effectivement implantaires. Donc bien sûr, ce n'est pas spécifique aux implants. Comme vous pouvez le voir chez la patiente sur la photo de droite, cette ostéonécrose est évidemment présente dans le secteur des implants, mais est également présente dans le secteur molaire, qui ne concerne donc pas le site implantaire. Chez ces patients, c'était deux patientes traitées dans des indications malignes, deux patientes traitées pour un cancer du sein avec des métastases osseuses. Donc, ces ostéonécroses sont survenues bien après que les implants aient été ostéo-intégrés. Nous n'avons bien sûr pas déposé des implants avant de démarrer le traitement, mais bien sûr, on peut avoir ce type d'ostéonécrose. Alors, au niveau radiologique, à quoi ça ressemble? Là, je vous ai mis un deuxième cas. Donc, Madame X, qui a 63 ans, qui est également traitée pour un cancer du sein et des métastases osseuses, cette fois-ci sous denosumab, depuis 2 ans. Et puis, cette patiente qui s'est présentée avec une mobilité dans le secteur implantaire. Lorsque nous avons réalisé nos examens radiologiques, donc on peut constater qu'un séquestre est formé autour de la zone implantaire, mais également autour de la molaire maxillaire. Nous avons bien entendu déposé le séquestre, qui était extrêmement bien formé, comme vous pouvez le voir à l'imagerie, ce qui a permis une résolution complète des symptômes. Un autre cas qui est là cette fois-ci plus important, alors ce que vous pouvez observer, c'est que parfois l'ostéonécrose, elle n'est pas très visible en bouche, on voit une inflammation, on voit finalement assez peu d'exposition osseuse, et pour autant, quand on fait une imagerie adaptée, on a 2 sites d'ostéonécrose avec 2 séquestres qui sont évidemment très importants, comme vous pouvez le voir au niveau du CBCT. Donc chez ces patients, bien entendu, dès lors que le séquestre est bien individualisé de cette manière-là, on va être amené à réaliser des chirurgies d'exérèse et donc pour pouvoir éliminer ces ostéonécroses et faire en sorte qu'on obtienne une cicatrisation. Un autre cas qui me paraissait important de vous montrer, c'est une patiente de 63 ans qui était traitée dans une indication parfaitement bénigne, qui avait des douleurs à la cheville droite, donc qui était séquelaire et post-traumatique avec des complications algodystrophiques. Donc cette patiente a bénéficié d'acide zoledronique avec assez peu finalement de perfusion, on constate que 6. Elle avait un antécédent de bisphosphonate par voie orale et cette patiente n'a
n'avait pas expliqué à son chirurgien-dentiste à l'époque qu'elle avait bénéficié de ces traitements-là. Donc des implants ont été posés et assez rapidement, enfin après ostéo-intégration à peu près visible, il y a eu survenue de cette ostéonécrose qui s'est formée, comme on peut le voir sur ces différents clichés, et qui aboutit bon, évidemment à la perte des implants, à l'extraction dentaire. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même pu obtenir une cicatrisation. Mais vous pouvez voir donc que même dans une indication bénigne, on peut avoir évidemment la survenue de ces ostéonécroses. Un autre cas qui était assez intéressant, également dans une indication bénigne, chez une patiente de 88 ans, traitée pour de l'ostéoporose par du Prolia, qui avait eu également de la clasta précédemment, avec des magnifiques implants disques qui avaient été posés avant 2010, je crois en 2006, voilà, c'est écrit sur la diapo. Et des années plus tard, puisqu'elle a commencé son traitement contre l'ostéoporose en 2010, eh bien, elle a eu cette ostéonécrose qui s'est développée, mais récemment, donc pendant des années, elle n'a eu absolument aucun problème. Et donc cette patiente, nous l'avons opérée aussi, bien sûr, en déposant les implants, mais pas que, évidemment, on a aussi fait l'exérèse enfin, la dépose de ce séquestre, ainsi que les implants dans la zone concernée. Alors que faire en cas de périimplantite? Parce que c'est quelque chose qui évidemment touche tous nos patients, enfin qui touche nos patients qui ont des implants, et pas uniquement les patients qui sont pas traités par des bifosphonates. Ça peut aussi concerner nos patients traités par ces molécules, bifosphonates ou denosumab. Donc là, un cas d'un patient. Monsieur L, qui a 77 ans, qui est suivi pour un myélome et qui a des antécédents de Zometa pour traiter ses lésions osseuses de myélome, et qui a un VIH traité bien contrôlé par différents types de molécules, et qui a commencé à présenter des douleurs dans le secteur 3, après avoir eu des implants pendant plusieurs années qui étaient parfaitement ostéo-intégrés. Donc nous l'avons suivi, nous avons fait bon, un nettoyage local, un curetage à plusieurs reprises, et puis nous avons finalement une mobilité d'un des deux implants que nous avons dû déposer, comme vous pouvez le voir ici, mais avec donc finalement une cicatrisation complète dans la zone. Un autre cas, monsieur D, qui a 71 ans, qui est traité pour une leucémie myélomonocytaire depuis 2016, qui présente également un diabète de type 2, une mastocytose, et ainsi qu'une ostéoporose, dans un contexte donc médical bien que bénin pour ce qui concerne l'indication de la molécule d'inhibiteur de la résorption osseuse, avec un contexte qui est quand même lourd, même malin, avec cette leucémie chronique. Donc chez ce patient, ce patient a développé d'ailleurs une ostéonécrose. Il a plusieurs implants qui vont plutôt bien. Il a développé une ostéonécrose mandibulaire antérieure, qui est maintenant cicatrisée, mais par contre, il présente donc une périimplantite chronique, enfin, forcément chronique, une périimplantite mandibulaire dans le secteur 3, que nous contrôlons actuellement avec des traitements locaux et qui permettent de stabiliser la situation, mais il est possible qu'à un moment donné, nous soyons obligés de déposer cet implant. Alors de manière générale, quels sont les risques pour ces implants qui sont au départ ostéo-intégrés avant de démarrer ces inhibiteurs de la résorption osseuse? Alors bien sûr, pas de dépose de ces implants avant de débuter le traitement, hein, c'est évident. Ça demande en revanche une surveillance radiologique. Alors bien sûr, de toute façon, pour tous nos patients traités par ces molécules, il est recommandé de faire une surveillance avec un examen radiologique de type panoramique une fois par an. Dans le cas de la survenue d'une mobilité ou d'une inflammation dans le secteur, on doit suspecter une ostéonécrose des mâchoires. Donc ça, c'est vraiment important, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit dès le départ, en stade zéro, des signes qui peuvent être complètement frustres, qu'on a du mal à rattacher directement à une ostéonécrose si on ne voit pas d'os apparent en bouche. Mais dès lors qu'on commence à avoir ce type de symptômes, qui peuvent être uniquement une périimplantite, mais qui peuvent également, malheureusement, donner lieu à ces ostéonécroses. La prise en charge est conservatrice tant que le séquestre n'est pas décelé ou n'est pas encore formé, et tant que la mobilité implantaire n'est pas réellement constatée. On peut également enfin, tant qu'on n'en est pas là, on ne va pas réaliser la dépose implantaire. Malheureusement, si le patient est continuellement sous antibiotiques pour contrôler ces implants, on peut prendre la décision quand même de faire la dépose, mais on tentera de toute façon d'être le plus conservateur possible, le plus longtemps possible.
Alors, est-ce que c'est secure de placer des implants chez des patients qui sont à risque d'ostéonécrose? On en a un petit peu parlé de manière globale. Je vais vous montrer un peu des analyses de la littérature qui sont très récentes, dont deux articles de 2021 qui présentent les choses de manière un peu différente. Comme vous pouvez le voir, ils se sont intéressés notamment à la perte de l'implant, à l'échec implantaire, mais également au risque d'ostéonécrose, avec des risques qui peuvent paraître parfois élevés. Tout ce que c'est ce que vous pouvez voir donc sur la figure. Enfin, dans le tableau, pardon, à droite, avec des taux qui peuvent avoisiner les 17% dans le cas pour les ostéonécroses. Alors, bien sûr, tout dépend de l'indication lorsque l'implant a été posé, puisqu'évidemment, comme on vous l'a dit dès le départ, le risque d'ostéonécrose est évidemment bien plus élevé chez les patients qui présentent des indications oncologiques et qui sont traités par des bisphosphonates par voie intraveineuse ou du denosumab une fois par mois de manière mensuelle pendant environ 2 ans. Donc, dans cet autre article qui sépare d'une part l'échec implantaire et la perte des implants et la survenue de l'ostéonécrose, on a un taux d'environ 1% de risque avec 141, 141, pardon, 141 cas d'ostéonécrose pour 12 751 implants posés, avec 618 cas de perte d'implants. Alors là c'était une étude, enfin c'est une analyse de la littérature sur évidemment un grand nombre d'articles, avec 5 221 patients et 12 751 implants posés. Donc ça commence à faire, ce qui peut nous donner quand même une idée un petit peu du risque. Je vais passer sur celle-ci. Donc, concernant les implants sous denosumab, on a encore assez peu de recul. On a une seule étude qui nous permet de voir que quand même on a quand même très peu de cas d'ostéonécrose sous denosumab lorsqu'on a des poses implantaires. Il y a 13 cas d'ostéonécrose là qui ont été trouvés chez des patients pour lesquels il y a eu des soins invasifs. Chez des patients traités contre l'ostéoporose avec du denosumab, et un seul cas sur un plan et dans un cas de double sinus lift, donc dans un cas d'intervention quand même assez lourd. Alors, quel risque pour l'ostéo-intégration? Un article assez intéressant de 2021 qui propose un modèle mathématique pour évaluer le risque d'ostéonécrose des patients en fonction de la dose cumulée et du type de molécule. Alors bon, sans grande surprise, on retrouve que finalement, à des doses assez faibles, ces inhibiteurs de la résorption osseuse peuvent être parfois intéressants. Et on va voir juste après qu'effectivement, certains ont l'idée de coter des implants avec ces molécules de bisphosphonate. Donc on peut se dire que ces molécules qui inhibent la résorption osseuse peuvent parfois être positives. Mais on sait également qu'à des doses plus importantes, on perd cet intérêt et au contraire, on va entraîner donc des risques d'ostéonécrose ou en tout cas, on va entraîner également des risques qui vont diminuer cette ostéo-intégration. Donc, en fonction de la dose de ces traitements, eh bien, on aura un effet qui sera différent sur l'ostéo-intégration, comme on pouvait s'en douter. Mais là, ça a été modélisé mathématiquement. Donc, je vous invite à aller voir cet article assez intéressant. Donc, ce qu'on peut noter, donc ce qui est important de prendre en compte, c'est donc l'indication du traitement, mais également la dose cumulée et le type de molécule. Autre point important à prendre en compte, c'est le timing en fonction des inhibiteurs de la résorption osseuse. Je vous ai dit tout au départ que les molécules de bisphosphonate et de denosumab n'avaient pas du tout le même mode d'action, avec une demi-vie qui n'est pas du tout la même, ce qui entraîne évidemment des différences dans la prise en charge. Pour ce qui est des bisphosphonates, même dans une indication bénigne, donc évidemment le risque augmente avec les années, mais ce qui est vrai aussi avec le denosumab, mais à l'arrêt du traitement, on peut se dire que si le patient a été traité uniquement avec du denosumab, le risque va s'arrêter bien plus tôt que lorsque le patient va être traité avec ces bisphosphonates qui durent pendant des années. Autre point important, c'est le timing au moment où on va décider de faire cette prise en charge implantaire et de poser l'implant.
Lorsque les patients sont traités une fois tous les 6 mois avec du denosumab, il est recommandé de ne pas faire cette pose implantaire directement juste après cette injection sous-cutanée de denosumab, mais de préférer différer le geste environ à 3 mois, dès lors qu'on aura plus de présence de cet anticorps monoclonal, ce qui nous permettra également d'attendre d'avoir encore 3 mois de recul qui permettra la cicatrisation, donc la cicatrisation muqueuse et l'ostéo-intégration, ce qui nous intéresse beaucoup, avant l'injection suivante, puisque c'est une fois tous les 6 mois dans le cadre du denosumab. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors, idem pour les bisphosphonates par voie intraveineuse, bien sûr, il n'est pas recommandé, si on décide de se lancer sur un plan de traitement implantaire, de réaliser la pose implantaire juste après l'injection de bisphosphonate IV, mais d'attendre au moins plusieurs mois, même si ce traitement est lié aux cristaux d'hydroxyapatite pour un grand nombre d'années. Donc par rapport à 2012 et recommandations qui avaient été faites, qu'est-ce qu'on peut en conclure en 2021? Donc évidemment, on dit toujours que le risque est plus élevé chez les patients dans une indication oncologique et qu'il n'est évidemment plutôt contre-indiqué de poser des implants dans cette indication-là. Que dans les cas d'indication bénigne, le risque est faible et que ça ne nous empêche pas, ça contre-indique pas du tout la pose implantaire, même s'il faut évidemment prévenir le patient. On sait maintenant que finalement, il n'y a pas de sur-risque réellement lorsque les patients sont traités par des bisphosphonates par voie intraveineuse une fois par an et qu'il n'y a pas de sur-risque non plus chez les patients traités par du denosumab pardon, dans des indications bénignes, qui est très intéressant. Donc j'ai schématisé ça de cette manière-là. Donc on va prendre en compte évidemment l'indication de ces inhibiteurs de la résorption osseuse, l'indication bénigne à distinguer de cette indication maligne, mais bien sûr il faudra prendre en compte même dans une indication bénigne la dose cumulée, les indications autres, les comorbidités, notamment en cas de corticoïdes associés pour l'ostéoporose cortico-induite. Et on l'a vu, on peut très bien avoir des patients traités dans des indications bénignes avec des comorbidités lourdes qui sont évidemment connues pour avoir un rôle négatif sur l'ostéo-intégration et donc qui peuvent être à l'origine de ces pertes implantaires, voire d'ostéonécrose. Le timing est évidemment important, comme on vient de le dire, et la dose cumulée, bien sûr. Alors, quelques petites questions supplémentaires. Peut-on évaluer le risque individuel du patient avec des indicateurs? Le risque est-il augmenté en cas de chirurgie préimplantaire, notamment lorsqu'on doit faire des greffes et utiliser des substituts osseux? Et que penser des implants cotés avec des bisphosphonates? Alors, pour ce qui est de l'évaluation du risque individuel, on sait maintenant que le CTX n'est pas un indicateur satisfaisant. Ça a été très à la mode, fut un temps, avec des articles qui étaient assez contradictoires. On ne savait finalement plus trop si ça pouvait avoir un intérêt. On sait maintenant que ça n'en a pas, que ça n'en a pas, pardon. En revanche, ce qui est très important et ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que le temps de cicatrisation post-extractionnelle chez ces patients est extrêmement important. Bien souvent, avant d'avoir la pose implantaire, il y a des extractions à réaliser chez nos patients. Et d'observer c'est le temps de cicatrisation osseuse, c'est un indicateur précieux qui nous donne une information primordiale sur le remodelage osseux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne dit peut certainement pas assez et qui est donc un indicateur fiable. Alors, dans la question, peut-on faire de la chirurgie préimplantaire? Il y a un article qui parle du sujet, qui est récent, de 2020, qui donc parle des substituts osseux en disant que potentiellement, il faudrait faire attention. Alors, ça paraît finalement assez logique, hein, sur un os qui a déjà un remodelage osseux compliqué, d'ajouter des substituts osseux. On en demande plus effectivement à l'os pour cette ostéo-intégration et à l'intégration de ce substitut osseux, et avec un risque d'échec qui serait supérieur. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de cas décrits dans cette publication, donc c'est une alerte, mais bon, qu'on doit prendre. Pour l'instant, on peut avoir un point de vigilance, mais ça n'est pas formellement démontré. Au niveau des implants cotés avec des bisphosphonates, alors ça, on en parle depuis au moins 10 ans. Il y a beaucoup d'études in vitro qui sont faites sur le sujet, qui ont l'air de montrer qu'effectivement, dans différents modèles animaux, que ces implants cotés avec des bisphosphonates ont un intérêt
Et comme on le disait tout à l'heure, dans ce modèle mathématique, il semblerait qu'évidemment, en fonction de la dose et en fonction du contexte, ces bisphosphonates pourraient donc être très intéressants pour améliorer l'ostéo-intégration et à des doses nettement supérieures, au contraire, avoir un effet délétère sur cette ostéo-intégration. Je vous montrais un petit peu les publications qu'il y a sur le sujet depuis quelques années. On voit qu'il y en a régulièrement depuis quelques années, sans qu'il y ait non plus un maximum d'articles. En tout cas, pour le moment, rien de très satisfaisant d'un point de vue scientifique qui nous permette de dire avec certitude que ces implants sont extrêmement intéressants. Mais en tout cas, c'est une piste. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que les implants dentaires ne sont pas contre-indiqués dans un contexte de prise d'inhibiteurs de la résorption osseuse. Que ce risque d'ostéonécrose est corrélé donc à l'indication du traitement. Évidemment, le risque est beaucoup plus important chez nos patients dans des indications oncologiques et beaucoup plus faible dans des indications bénignes. Que c'est lié à la dose cumulée et que le timing est important, notamment avec le denosumab, pour la mise en place de ces implants. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas avec ces molécules et lorsqu'on se lance dans ce genre de plan de traitement, on doit bien sûr informer le patient des risques aussi faibles qu'ils soient. Donc ces implants ne sont pas contre-indiqués, hein, de toute façon chez ces patients de manière générale, mais on préfère quand même les réserver aux indications bénignes et ne pas les proposer dans le cadre d'indications oncologiques. À noter qu'il est parfois compliqué de savoir dans quel type d'indication on est pour le praticien. Il faut noter que les patientes, notamment, et les patients également dans le cadre de cancer de la prostate, peuvent avoir des traitements d'hormonothérapie qui sont à l'origine d'ostéoporose. Et donc, ces patients vont être traités avec des inhibiteurs de la résorption osseuse, non pas pour leur cancer, mais pour traiter l'ostéoporose induite par les traitements du cancer. Donc là, c'est vraiment important. C'est pas parce que le patient a un cancer et qu'il est traité avec ces molécules qu'elles sont directement impliquées donc dans ce traitement oncologique. Et donc, le risque va pas du tout être le même. Et ça, c'est très important de prendre en compte et de pouvoir le déceler lors de l'interrogatoire. C'est pour ça qu'il faut bien demander de quel type de molécule il s'agit et de prendre en compte la posologie pour savoir dans quel contexte on est. Concernant l'arrêt du traitement, il n'est pas conseillé de stopper un traitement par bisphosphonate, d'une part parce que nous ne sommes pas les prescripteurs, que c'est un traitement qui est nécessaire aux patients, et surtout qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, ces bisphosphonates vont se lier aux cristaux d'hydroxyapatite et d'arrêter le traitement, il n'y aura pas d'effet forcément réverse, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le denosumab, pour lequel on peut demander évidemment un avis aux prescripteurs. Dernière chose avant de terminer, ces traitements sont prescrits par nos collègues, nos médecins, donc dans tout un tas d'indications. Nous n'avons pas à contre-indiquer ces traitements. Quand on nous pose la question de savoir si un traitement est possible, eh bien, il faut savoir où s'il y a des foyers infectieux, les déceler, faire en sorte qu'on n'ait plus de foyers infectieux en bouche. Mais il faut savoir que ces traitements sont évidemment très importants pour ces patients et donc nous ne pouvons pas les contre-indiquer sous prétexte qu'il existe un plan de traitement implantaire. Il faut savoir évaluer ce risque et ce n'est pas au prescripteur de pouvoir évaluer ce risque et de vous dire oui, vous pouvez y aller, c'est à vous de le savoir également et donc c'est pour ça qu'il est très important de comprendre le contexte global. J'en ai fini avec cette présentation. J'imagine qu'il y a des questions. Jean-Hugues. Il y a effectivement des questions. Merci beaucoup, Géraldine. Je pense que déjà, ton exposé a été très clair et que l'on peut effectivement être assuré pour la plupart de nos patients, puisqu'on voit que pour l'essentiel des prescriptions dans une indication ostéoporotique, il n'y a pas vraiment de sur-risque à poser des implants. Il y a malgré tout des précautions à prendre, mais c'est une thérapeutique qui doit être proposée à nos patients et ça ne doit pas être des refus de soins sous prétexte que les patients sont traités pour l'ostéoporose. Le contexte malin, effectivement, pose peut-être plus de problèmes et on va revenir un peu sur ces différents sujets que tu nous as exposés au travers de quelques questions que vous avez posées les uns les autres pendant cette présentation. Alors des questions parfois un petit peu
on va dire, technique, puisque tu parles dans la revue de Papadakis qu'il est mentionné qu'il y a eu 618 pertes d'implants, mais seulement une centaine d'ostéonécroses en lien avec des médications. Et comment tu peux expliquer cette différence? Est-ce qu'elle est expliquée? Alors en fait, là il s'agit d'une revue de littérature où alors ils ont combiné le nombre de cas avec tout plein d'études. Donc les études ne sont pas faites de la même manière. C'est parfois chez des patients dans des indications oncologiques, parfois des indications bénignes, parfois avec des traitements par voie orale, par voie IV. Donc c'est un cumul global. Bien sûr, ça ne permet pas réellement de donner un chiffre exact, puisqu'il y a trop de biais, il y a trop de différences entre ces études, mais ça donne quand même un contexte un peu général qui nous permet de dire que globalement, ces stratégies ne sont pas tant à risque que ça et qu'on ne va pas priver tous les patients de prise en charge implantaire dès lors qu'ils sont traités par des bifosphonates ou du denosumab. Mais c'est donc voilà, des chiffres à prendre de manière globale, mais qui ne sont pas aussi précis que si on avait une étude prospective sur 10 000 patients qui auraient été traités tous de la même manière, avec donc beaucoup moins de biais, puisque là, il s'agit d'une revue de littérature. Merci. Autre question, tu parlais tout à l'heure en fait de la surveillance par des radiographies panoramiques au moins une fois par an. Et une question qui était posée, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on peut effectivement avoir des biais par rapport à la panoramique sur sa définition. Est-ce que une surveillance par cliché rétro-alvéolaire, j'imagine avec une technique plutôt long cône ou un CBCT, est-ce que ça te paraît plus pertinent? Est-ce que comment faire cette surveillance au final? Alors, la radio panoramique, c'est la radio de base et il en faut une de toute façon. Bien sûr que si on a un doute, on peut tout à fait être amené à prescrire des examens complémentaires. Toutefois, on ne va pas faire de manière systématique des CBCT à tous les patients en surveillance, hein. Dès lors qu'il y aura une symptomatologie, c'est ce que je vous disais, une dent qui devient mobile, une inflammation qui n'était pas là avant, un patient qui rapporte une douleur dans un secteur, bien sûr qu'on va être très vigilant et là, on prescrira très facilement une imagerie 3D pour compléter notre surveillance, mais de manière globale, dans une simple surveillance chez un patient qui n'a aucun symptôme et qui ne décrit aucune douleur et qui ne présente aucune mobilité dentaire, la panoramique, bien souvent, sera suffisante. Hein. Oui, puis on doit rappeler ici les principes à l'ARA, hein, qu'on doit exposer le moins possible les patients en rayonnement Bien sûr. ionisant, bien évidemment. Donc, lorsque vous faites vos surveillances implantaires, je pense que vous le faites pour l'essentiel avec des clichés rétro-alvéolaires, eh bien, effectivement, ceux-ci peuvent être parfois complétés par des radiopanoramiques, mais on peut rester sur la surveillance habituelle des implants. Oui, Une question ce que plus je peux juste personnelle, ajouter, pardon? Jean-Hugues, c'est que globalement, le risque d'ostéonécrose, il n'est pas du tout spécifique au site implantaire. Donc, comme il peut survenir partout, il n'y a pas de raison de plus surveiller les implants que de surveiller d'autres zones. Et on peut aussi avoir, comme je l'ai dit, des ostéonécroses spontanées. Donc, la surveillance panoramique nous permet d'avoir toutes les zones. Donc, il n'y a pas de raison de surveiller plus spécifiquement le site implantaire qu'un autre site denté ou non denté d'ailleurs. Merci pour cette précision. Donc une question plus personnelle. J'ai une patiente traitée en 2014 pour une fracture. Elle était traitée au début par Aclasta IV seulement pendant 1 an, car elle ne supportait pas. C'est remplacée par du Prolia, donc du denosumab, jusqu'en 2018. Depuis, plus rien. Je dois mettre 3 implants au niveau de la mandibule. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, il n'y a pas de contre-indication, clairement. Le denosumab n'est plus un problème puisqu'il a été stoppé depuis 2018. Il y a eu, d'après ce que je comprends, une injection d'Aclasta, ce qui est extrêmement peu. Rappelons quand même que le délai survenu d'une ostéonécrose, c'est 24 injections de bifosphonates IV avant d'avoir 24 ans d'Aclasta. Je pense que voilà, on n'y est pas. Donc globalement, une injection annuelle, c'est très peu. C'était il y a quand même plusieurs années, c'était en 2014, si j'ai bien retenu ce que tu viens C'est de me dire. ça. Donc on est quand même en 2021. Même si les bifosphonates restent dans l'os très longtemps, il y a une perte quand même continue, hein. Ils se lient aux cristaux d'hydroxyapatite, il y a quand même un remodelage. Donc il y en a beaucoup moins au bout de 6 ans que l'année quand même qui suit la prise de bifosphonates IV. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de contre-indication. S'il y a des extractions dentaires à réaliser avant la pose implantaire, eh bien ça pourra donner un indicateur supplémentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors, autre cas, c'est j'ai eu deux cas de patients qui ont complété leurs 2 ans de XGEVA, donc là encore du denosumab, et ont présenté des cas d'ostéonécrose à distance de l'arrêt. Est-ce que tu as ce genre d'expérience à la pitié dans le service? Alors, quand on a ce genre d'expérience et qu'on fait le diagnostic d'ostéonécrose très tard et qu'on est passé à côté des premiers signes d'ostéonécrose qui ont été en général assez précoces. Les cas d'ostéonécrose qu'on voit dans cette situation-là, c'est des foyers infectieux qui sont présents sur le terrain qui sont présents. Et donc, au bout de 2 ans, clairement quelque chose qui se passe et le diagnostic d'ostéonécrose qui se fait bien plus tard. Mais en réalité, l'ostéonécrose, dans la majorité des cas, en tout cas, que j'ai pu moi voir, et on en traite une centaine par an quand même d'ostéonécrose, ces ostéonécroses étaient déjà là en fin de traitement, mais asymptomatiques et pas diagnostiquées. Effectivement. Est-ce que le nombre d'implants influence une incidence de survenue d'ostéonécrose? Est-ce que le fait de poser plusieurs implants à la suite, j'imagine, en fait, dans le même secteur, par rapport à la contrainte que ça va faire sur l'os, j'imagine la ostéonécrose. Alors, sur le nombre d'implants à poser, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment finalement un lien avec une hausse du risque. En revanche, ce qui probablement est vrai, c'est que plus la prise en charge est complexe, avec la nécessité de faire des greffes osseuses et pourquoi pas des sinus lift et d'utiliser des substituts osseux. Et là, on peut penser qu'effectivement, le risque va augmenter, mais ce n'est pas tant sur le nombre d'implants. Si on a la mandibule je sais pas, on a tout l'os qu'on veut et qu'il faut poser 3 ou 4 implants, il n'y a pas de sur-risque à en poser 3 ou 4 plus que d'en poser un. Je ne pense pas qu'il y ait de sur-risque par rapport à ça. En tout cas, on ne l'a jamais observé. Dans mon expérience, on ne l'a pas observé. Alors, une question qui peut avoir un intérêt aussi sur la pose et sur la gestuelle chirurgicale, est-ce qu'une antibioprophylaxie chez ces patients est réalisée pour la pose des implants chez tous ces patients ou seulement ceux qui ont un haut risque d'ostéonécrose? Et à ce moment-là, quelles seraient les modalités, molécules et durées surtout? Est-ce que c'est simplement une antibioprophylaxie ou est-ce que c'est proposé par certains, on va dire, même si on n'aime pas trop ça, de dire on couvre le risque avec une antibiothérapie pendant un certain temps. Alors là, bon, évidemment, il n'y a pas de règles complètement éditées, mais par contre, on peut se référer aux règles de l'antibioprophylaxie de l'ANSM, où il est précisé l'attitude à avoir en cas d'extraction dentaire chez ces patients sous bisphosphonate ou sous denosumab. Clairement, dans les indications bénignes, on n'a pas besoin de faire d'antibioprophylaxie. Dès lors que vous ne faites pas d'antibioprophylaxie pour une extraction dentaire, il n'y a pas forcément besoin de faire une antibioprophylaxie pour la pose implantaire. Enfin, ça dépend de ce que vous faites habituellement. Il n'y a pas de sur-risque. S'il n'y a pas de sur-risque pour l'extraction dentaire, il n'y en a pas plus pour l'implant. Donc pour moi, il n'y a pas à avoir plus de protection, d'antibioprophylaxie chez les patients qui ont un risque faible dans le cas d'une extraction dentaire que par rapport à une pose implantaire. On ne va pas mettre plus Alors, d'antibiotiques. avant d'entamer un traitement par bisphosphonate, est-ce que le prescripteur doit orienter son patient chez son praticien, chez son dentiste, pour d'éventuels soins et une prise en charge dentaire avant l'instauration de cette thérapie? Tout à fait, c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors maintenant, en règle générale, les rhumatos, les médecins généralistes sont quand même au courant qu'il est nécessaire de faire ce bilan. Normalement, ils le font quand même beaucoup. Dans les indications oncologiques, ils le font quasiment systématiquement. Alors c'est vrai que dans des indications bénignes, ça a moins d'intérêt puisque le risque est extrêmement faible dans les premières années de traitement, hein. Rappelons que c'est la dose cumulée qui est importante, donc le patient dans les 2-3 premières années, il n'a aucun risque. Donc on n'est pas
pressé à la seconde de faire le traitement, enfin de faire le bilan avant de démarrer, mais en fait, c'est mieux de le faire, bien sûr, hein. Par contre, dans les indications oncologiques, c'est extrêmement important. Alors, le seul contexte où il n'est pas fait avant de démarrer le traitement, c'est quand il y a une hypercalcémie maligne et que là, il y a une urgence vitale pour le patient et que, bien évidemment, le traitement par bifosphonate IV, parce qu'en général, c'est du Zometa, est évidemment à privilégier par rapport au reste. Mais en règle générale, on voit le patient après sa première injection et une injection, ça reste peu. Donc, ça nous permet quand même de réaliser les soins avant de, enfin, et les extractions dentaires avant de poursuivre le traitement. Il y a quelques années, on parlait en fait d'un sur-risque au-delà de 3 ans de prise de bifosphonate. Est-ce que cette limite des 3 ans est toujours d'actualité ou pas? Ou est-ce qu'elle a été repoussée? On a parlé parfois jusqu'à 5 ans en fait. Qu'en est-il Ouais, selon alors qu'en toi? est-il? Clairement, dans la littérature, on montre que pour les bifosphonates, notamment par voie orale, avant 2 ans, il y a vraiment zéro risque d'avoir une ostéonécrose. Ça, on le sait, le risque, il est nul. Au-delà de 3 ans, il reste extrêmement faible. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il augmente avec la dose cumulée. Qu'avant 5 ans, le risque est très, 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 très modéré. Et qu'après 5 ans, bah, il augmente puisqu'il va augmenter de manière proportionnelle avec la dose cumulée. Donc un patient qui a été traité pendant 10 ans est beaucoup plus à risque qu'un patient qui a été traité pendant 3 ans ou 4 ans. Et ce risque augmentera au fil des années, notamment sous bifosphonate. Oui, puis après, on peut se souvenir que lors d'une précédente conférence, il y avait Philippe Lescloux qui nous avait rappelé aussi qu'il y avait rarement d'indication au-delà de 5 C'est ans ça. pour ces traitements et que si les patients sont traités au-delà de 5 ans, peut se poser la question de les réorienter vers leur prescripteur afin de faire une ostéodensitométrie et d'évaluer toujours s'il y a un bénéfice à continuer ce traitement. Donc là encore, parfois il y a des prescriptions d'habitude qui se font avec des renouvellements d'ordonnance et pour autant sans forcément qu'il puisse y avoir encore le maintien de cette indication. Autre question, bonsoir professeur, quid d'une patiente de 60 ans après 5 ans d'injection d'Aclasta pour ostéoporose? Combien d'années est-il raisonnable d'attendre pour son traitement implantaire selon vous, s'il vous plaît? Oui, là c'est une question un peu piège. C'est un contexte un peu complexe. Enfin, oui, 5 ans d'Aclasta, 5 ans de bifosphonate par voie IV. Alors je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure. Le délai moyen de survenue d'une ostéonécrose, c'est 24 injections. Bon, on en est très loin avec 5 injections. On ne peut pas dire que ce soit complètement contre-indiqué. Maintenant, le risque est forcément supérieur au bout de 5 ans que si le patient avait eu 2 injections. Est-ce qu'il faut le contre-indiquer? Il faut déjà prévenir le patient clairement, lui expliquer que son risque n'est pas nul. Maintenant, tout dépend du cas. Parfois, les implants sont indispensables puisqu'on est dans un cas de figure où les implants vont apporter un tel bénéfice qu'on est prêt à prendre le risque. Tout est question d'évaluation de la balance bénéfice-risque. C'est quelque chose que je n'ai pas assez dit lors de ce webinaire, mais c'est vraiment le mot-clé. C'est-à-dire qu'on évalue jusqu'où on va du risque par rapport au bénéfice qu'on va apporter par rapport à cette prise en charge implantaire. Si c'est un édentement encastré et qu'on peut faire un bridge au lieu de poser un implant et que le risque nous paraît quand même élevé que notre prise en charge implantaire ne fonctionne pas, bon, voilà, on peut être amené à revoir l'indication. Maintenant, il y a des indications où les implants nous donnent un tel bénéfice qu'on ne peut pas en priver non plus le patient. Donc, c'est à expliquer aux patients de voir quelles sont les autres possibilités, évaluer la balance bénéfice-risque, expliquer les risques et prendre la décision avec le patient. Effectivement, le contexte médico-légal a toute son importance, notamment dans cette problématique-là. Peut-on espérer une guérison ou un arrêt du processus d'ostéonécrose et bien sûr, à ce moment-là, une conservation d'implants si on procède à un débridement superficiel du site nécrosé? Alors, dès lors qu'il y a un séquestre osseux qui est formé, qu'on a de l'os nécrotique, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. C'est comme les morts-vivants, bah, c'est des zombies, ils ne peuvent pas revenir normaux. Bah, là, c'est pareil, l'os, il ne peut pas redevenir normal. Donc, dès lors qu'on a un séquestre osseux, donc un séquestre, c'est de l'os nécrotique, il faut éliminer ce séquestre pour que ça puisse cicatriser. Il ne va jamais pouvoir se réintégrer à l'os sain.
Lorsqu'on a une périimplantite, en revanche, chose qu'on a dit tout à l'heure, là, évidemment, le débridement a tout son intérêt. Et effectivement, il faut être conservateur. Mais dès lors qu'on a ce séquestre osseux, il faut le déposer. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va déposer l'implant. Ça, tout dépend de la taille du séquestre aussi. On avait évoqué effectivement que le statut paro-mental, c'était un facteur de risque aussi, peut-être une comorbidité de ces ostéonécroses, notamment par l'inflammation que ça pouvait générer. Est-ce que ça a été observé aussi pour les péri-implantites? Alors j'ai fait une analyse de la littérature parce que je trouvais que c'était un point très intéressant et il n'y a pas grand-chose. Donc il y a quelques cas, rapports de cas, où voilà, où on explique que bah, parfois c'est plus les implants, enfin les bifosphonates apportent un plus. Parfois on nous dit que ah bah non, ça augmente le risque de péri-implantite. Bon, vraisemblablement, on a quand même plus d'échecs implantaires chez ces patients-là de manière générale, surtout avec, a priori avec des doses cumulées qui sont plus importantes. Mais globalement, sur l'incidence des péri-implantites, c'est pas clair. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé dans la littérature d'arguments suffisants pour vous l'évoquer plus que ça. C'est pour ça que je vous ai parlé des cas qu'on suivait. Mais j'ai pas trouvé grand-chose sur les péri-implantites, à part quelques rapports de cas. Alors, est-ce que les ostéonécroses sur implant sont-elles plus sensibles au traitement adjuvant tel que le laser? Oula. Est-ce que... Il n'y a pas de littérature sur le sujet et encore une fois, il n'y a pas à traiter l'ostéonécrose sur un implant différemment d'une ostéonécrose classique. Dès lors qu'il y a un séquestre, il faut le déposer. Évidemment, ici, on peut débrider, et ben on débride. Pour ce qui est du laser, est-ce que ça marche mieux dans le cadre des implants que sur une dent? Dans le cadre des patients traités par ces molécules-là, je crois qu'on n'a aucun recul scientifique pour affirmer les choses dans un sens ou dans un autre. Oui, et puis il n'y a toujours pas de consensus pour le traitement des péri-implantites, quoi Non. qu'il en soit, donc encore moins pour le traitement des ostéonécroses. On peut avoir des thérapeutiques médicamenteuses, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué aussi, avec des protocoles de pentoxyphiline et tocophérol. Voilà, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été évoquées, associées à la pose d'implants. Il y a des traitements chirurgicaux qui ont été proposés également. Donc, est-ce que tu as vu, par exemple, sur la parathormone, le Oui, téliparatide, il y a une des publication. choses sur les implants, voilà. Il y a une publication, un cas. Bon, de toute façon, le téréparatide, on sait que c'est intéressant, effectivement, dans le traitement des ostéonécroses, hein, de manière globale, donc pas uniquement chez ceux qui sont liés à une ostéonécrose dans le cadre d'un implant. Je pense qu'il faut vraiment. Il y a peu d'intérêt à dissocier l'ostéonécrose sur un site implantaire d'une ostéonécrose ailleurs. Donc le téréparatide, pourquoi pas? Bon, bah, le problème du téréparatide, c'est qu'il est quand même contre-indiqué dans les indications malignes et c'est quand même plus des trois quarts des cas d'ostéonécrose qu'on a quand même, même 80%. Donc globalement, bon, je suis pas sûr que ce soit la révolution, bien que ça ait fait un New England Journal il y a quelques années, le téréparatide dans le traitement des ostéonécroses. Je suis pas sûr que ce soit finalement aussi intéressant que ça. Mais pourquoi pas, hein? De toute façon, c'est pareil, c'est au cas par cas, hein? On essaye des choses. Là, je ne suis pas rentrée dans le détail du traitement, effectivement, comme tu le dis, Jean-Hugues, parce qu'il n'y a pas de spécificité au traitement médicamenteux dans le cadre de l'ostéonécrose sur des sites implantaires que sur une ostéonécrose de manière globale. Mais bien sûr que le traitement, il est médicamenteux, notamment en cas de surinfection. Les antibiotiques se donnent quand il y a une surinfection. On peut utiliser effectivement du toco et de la pentoxyphiline. Voilà, il y a peu de publications sur le sujet. C'est vrai que nous, on l'utilise de temps en temps, notamment sur des formes extrêmement sévères, quand on a peu de solutions et que malheureusement, on ne va pas pouvoir gérer au mieux cette ostéonécrose. Mais il y a un recul qui n'est pas du tout scientifiquement établi. Non, et puis on voit aussi maintenant que beaucoup, alors qu'on était peu interventionniste, on essaye maintenant d'être aussi Bien sûr. plus chirurgicaux dans les traitements, avec des résolutions sans doute plus pérennes dans le temps que ces traitements médicamenteux, même s'ils peuvent apporter effectivement un plus à ces traitements. Il y avait une autre question sur les antibiotiques, mais tu y as répondu précédemment. Y a-t-il une contre-indication, en revanche, tu l'as évoqué à la fin de ton intervention, sur des chirurgies plus invasives, telles que soulever de sinus par abord latéral, quand ces patients prennent des bifosphonates dans le cadre de traitements ostéoporotiques? Alors, il n'y a pas de contre-indication, mais on a du mal à évaluer le sur-risque, mais on est à peu près certain quand même que plus le geste est compliqué, plus le risque est élevé, plus on a quand même des chances ou des risques que ça ne fonctionne pas.
Donc, globalement, il n'y a pas de contre-indication. Si votre patient, il est traité, c'est une patiente classique qui a de l'ostéoporose post-ménopausique, qui a aucune comorbidité, qui a son traitement depuis 2 ans ou 3 ans. Bon, on peut se poser tout à fait la question du soulevé de sinus. Maintenant, si vous êtes sur des cas plus complexes, avec un patient qui a une ostéoporose cortico-induite, avec notre patient tout à l'heure qui était diabétique en plus, se dire est-ce qu'on va faire un double soulevé de sinus? Je suis pas sûre. Voilà. Ça commence à être un peu Voilà. touchy. Bonsoir. Les risques sont certes faibles, mais les conséquences éventuelles d'une ostéonécrose peuvent être dramatiques. Cela ne doit-il pas nous mettre en garde pour la pose de ces implants? Bah, bien sûr que la balance bénéfice-risque est à évaluer. Après, la seule chose que je peux dire de positive, c'est que la cicatrisation de ces ostéonécroses est de plus de 80% de manière générale, puisqu'on est beaucoup plus interventionniste. Et par rapport à cette photo que j'ai mise de psychose du départ, où on déclarait que si on touchait à ces ostéonécroses, ça se finissait toujours très très mal, maintenant on est beaucoup plus interventionniste, on a des taux de cicatrisation extrêmement importants, et encore plus chez ces patients dans des indications bénignes. Globalement, même quand on a des ostéonécroses chez ces patients, dans la très 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 grande majorité des cas, on arrive à les guérir sans trop de séquelles, hein. Ça, c'est le côté positif. Il faut tout ce qu'on nous a montré fut un temps, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment la psychose. On montait des ostéonécroses abominables, on faisait peur à tous les patients. J'ai reçu un nombre de patients en pleurs au fauteuil incroyable qui me disaient: mon dentiste m'envoie vous voir, de toute façon, on ne peut plus rien me faire, on n'a plus le droit de me toucher. C'était absolument horrible. Donc il faut quand même mesurer, c'est toujours pareil, c'est une question de mesure de balance bénéfice-risque. Et se dire que quand même, globalement, le risque d'ostéonécrose chez ces patients traités dans des indications bénignes, sans comorbidité, avec des doses de moins de 5 ans, c'est quand même extrêmement rare, et que quand ça survient, on les soigne quand même très très bien. Alors une question peut-être plus technique, c'est est-ce que la préservation au maximum du périostre lors de la chirurgie diminue le risque d'ostéonécrose, notamment les décollements à minima? On pourrait peut-être même le compléter en disant, est-ce que les techniques flapless que font certains avec de la chirurgie guidée pourraient éviter la survenue de tel phénomène? On a peu de recul là-dessus pour dire que je fais le parallèle avec l'extraction dentaire parce que, enfin, en cas d'avulsion dentaire, il y a beaucoup plus d'études. Pendant très longtemps, on disait qu'il fallait des avulsions atraumatiques. Et puis finalement, on a montré que les protocoles qui marchaient le mieux, c'était on faisait un lambeau mucopériosté des sutures étanches. Je suis pas sûre que ce soit hyper atraumatique, et ça fonctionne. Pour ce qui est des implants, le timing un peu touchy, c'est l'ostéo-intégration. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose, mais j'ai vu aucune publication sur le sujet. Est-ce que les concentrés plaquettaires peuvent-ils aider à faire diminuer un risque avéré d'ostéochimionécrose lors de la mise en place d'implants? Aucune publication, c'est pas, voilà, c'est pas scientifiquement prouvé. Même, je vais vous dire, le PRF, on l'utilise dans le traitement des ostéonécroses très souvent. Il y a des publications qui montrent que ça marche. On a le sentiment clinique que ça marche mieux. Maintenant, les preuves scientifiques réelles, elles sont quand même assez faibles. Alors, si on a déjà du mal à l'établir dans le traitement des ostéonécroses, alors que c'est quand même beaucoup plus simple à démontrer qu'en prophylactique, parce que là on parle de préventif, l'incidence de ces ostéonécroses étant tellement faible chez ces patients, que de faire une étude probante qui permettrait de dire que chez un groupe de patients avec PRF versus un autre groupe de patients sans PRF, on aurait un avantage du PRF, c'est extrêmement complexe à démontrer scientifiquement. Parce que cette incidence d'ostéonécrose est finalement très faible. Donc tant mieux si on a du mal à la démontrer. Mais Ouais, tu l'as globalement, c'est, voilà. dit, on se sert de modèles mathématiques parfois pour montrer ces risques-là. Toujours dans la technique, est-ce qu'il est préférable de laisser l'implant en nourrice ou de le faire éventuellement Je crois qu'on a perdu Jean-Hugues. Je crois qu'il y avait une question sur les différentes techniques. Globalement, on a retrouvé Jean-Hugues. Oui, Tu parlais merci. d'une question sur le flap-lap, c'est ça, sur les différentes techniques C'est ça, voilà. Est-ce qu'on le laisse en. On fait du technique en un temps ou deux temps? Est-ce qu'il y a une préférence entre les deux?
y a pas de, encore une fois, on n'a pas, enfin, en tout cas, j'ai dans la littérature, je n'ai rien trouvé de scientifiquement établi qui pourrait dire que telle ou telle technique est préférable par rapport à une autre. Bien sûr que, comme je disais dès le départ, au même titre qu'on va préférer poser des implants simples et pas se lancer sur un double sinus lift chez un patient à risque, on va préférer des techniques qui sont moins invasives. Ça paraît évident. Maintenant, y a pas de, ça va être difficile de vous donner une réponse scientifiquement établie en l'absence d'études qui le prouvent chez ces Non, mais patients. après, on doit garder en fait toutes la mesure vis-à-vis des protocoles. Ça veut dire qu'on doit aussi être vigilant sur tout ce qui peut être aidé à la survenue de périimplantite. Donc, bien sûr, avoir un terrain parodontal assaini, une gencive kératinisée aussi suffisamment importante, respecter un espace biologique aussi. Enfin, voilà, les critères habituels de la chirurgie implantaire doivent être respectés et peut-être encore plus chez ces patients. Et la question qui venait de se dire, est-ce qu'on met le pilier de cicatrisation? Ben, on voit que lorsqu'on dépose ces pieds de cicatrisation et de façon répétée, ben, on crée des micro-blessures, c'est un risque de survenue de périimplantite. Donc, effectivement, on doit adapter aussi les thérapeutiques prothétiques pour éviter ces dévissages itératifs qui seraient des causes en fait, de blessures et d'exposition, en tout cas, du col de l'implant. Est-ce que la prescription de corticoïdes est possible en cure courte? En post-opératoire. Bon, alors, de toute façon, les corticoïdes, quand ils sont donnés en dose flash sur 2-3 jours, on sait qu'il n'y a pas d'effet sur l'os et que les effets ils sont anti-inflammatoires et que ça, y a pas de raison que c'est un effet au long cours qui empêche l'ostéo-intégration. Et donc, du coup, enfin, pour moi, y a pas de sujet réel des corticoïdes sur 2-3 jours chez ces patients. Hein. Sur l'antibioprophylaxie, avec quel antibiotique, bah, il n'y a pas besoin de changer, je pense, par rapport à ce qui est établi dans la littérature. Hein, donc, on reste sur des antibioprophylaxies classiques si vous en avez besoin d'une, avec l'amoxicilline ou la clindamycine. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Oui, mais on oui. reste sur les choses habituelles. Quel est le délai moyen observé dans la littérature pour la survenue d'une ostéonécrose sur implant? Et du coup, est-ce que la surveillance doit être à vie derrière? Ah bah oui, ça peut arriver des années plus tard. Enfin, en fait, c'est lié au traitement par bifosphonate. Donc, je ne sais pas si je cerne bien la question. En réalité, si le patient a des implants ostéo-intégrés depuis 10 ans et qu'il débute son traitement par ses inhibiteurs de la résorption osseuse, bien sûr que le risque, il va arriver après. Et donc, ça peut se déclencher bien plus tard, mais le risque va diminuer après l'arrêt du traitement quand même. Donc, la surveillance, elle est pendant le traitement. Elle perdure à l'arrêt du traitement, notamment avec les bifosphonates. Ça, c'est certain. Et comme on vous le disait dès le départ, c'est que ce traitement va progressivement diminuer au cours des 10 ans qui suit l'arrêt du traitement. Donc effectivement, il faut continuer à suivre nos patients. Et de toute façon, tout patient doit être suivi. Alors, certains n'ont pas été refroidis justement par ta communication, puisqu'ils nous disent, voilà, est-ce qu'après une ostéonécrose, on pourrait poser un implant dans un os qui a été siège d'une ostéonécrose? Alors là, non. Là, oui, effectivement, vous avez vraiment pas été. Alors, je voulais être ouverte pour qu'il y ait quand même des possibilités pour nos patients. Un patient qui a déclenché une ostéonécrose, c'est que globalement, il a un remodelage osseux qui n'est pas efficient. Donc, c'est quand même très risqué d'aller poser un implant après la survenue des ostéonécroses. En général, quand on obtient une cicatrisation, on est content. Je vous ai dit que c'était fréquent qu'on y arrive, mais quand même, on tente pas le diable. On essaye d'éviter que ça se reproduise. Donc non, je pense qu'il n'est pas, il me paraît pas vraiment très sage de reposer des implants après la survenue de cette ostéonécrose, même si on l'a traité de manière efficace. Voilà, pour conclure, j'aurais peut-être deux questions également. Enfin, on a parlé du denosumab, il y a peu de choses dans la littérature. Des patients qui auraient été traités que pour des indications malignes, mais que par du denosumab, donc sans prise de bifosphonate préalable, est-ce qu'on voit que le côté réversible des denosumab se fait avec le temps? Donc, est-ce qu'ils seraient éligibles à une chirurgie implantaire par la suite, alors qu'on aurait des réserves dans des indications malignes pour les patients qui auraient été traités par bifosphonate type l'acide zoledronique? Est-ce qu'avec du denosumab,
voilà, quelques mois ou années après, en rémission, le patient pourrait bénéficier d'une telle chirurgie. Alors, tu viens de donner la réponse. Un patient qui est traité pour un cancer avec donc malheureusement avec des métastases osseuses, alors il peut y avoir des cas, mais très très, c'est vraiment très très rare que malheureusement on arrive à guérir ces patients et ils sont pas en rémission. Donc généralement, même s'ils ont arrêté le XGEVA, ces patients, parfois d'ailleurs on poursuit le XGEVA, dans certaines, enfin, très souvent malheureusement ces patients ont des risques de fracture qui sont très importants, donc même si c'est normalement 2 ans, ils ont des doses plus espacées une fois tous les 3 mois, mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même assez rare qu'un patient n'ait pas eu de Zometa avant, parce qu'on a plein de patients qui ont eu du Zometa avec un relais par du denosumab, donc ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est très très fréquent. Donc s'il a eu ses 2 ans de Zometa, qu'il a eu ses 2 ans de XGEVA, il y a peu de chances malheureusement qu'il soit éligible par la suite à cette stratégie implantaire, même s'il n'y a eu que du XGEVA. Ça peut arriver, faut être confiant, mais c'est quand même assez rare. Qu'on soit dans ces indications où tout va bien, où on est en rémission et qu'on va pouvoir proposer ces stratégies implantaires. Donc moi, je suis jamais, je reste très optimiste avec les patients, mais c'est globalement rare qu'on soit amené à se poser la question. Très bien, merci. Il y avait une question pour conclure, c'était quels sont les signes d'appel d'une ostéonécrose, mais je pense que tu l'as évoqué dans ton diaporama au départ. Donc j'invite voilà, les personnes à revoir en fait, puisque ce sera en streaming aussi par la suite, en rediffusion accessible. Donc voilà, je pense que on peut conclure. Je ne sais pas si tu as des mots pour conclure suite à toute cette longue séance de questions. Et effectivement, ça a passionné, je pense, beaucoup des personnes qui étaient avec nous ce soir sur les différents réseaux sociaux. Eh bien, les mots de conclusion, c'est qu'il faut toujours évidemment évaluer la balance bénéfice-risque chez ces patients, bien connaître les indications. Ça demande du temps, il faut être vigilant dans l'interrogatoire des patients, parfois effectivement communiquer avec les prescripteurs pour savoir exactement quelle dose le patient a eu, à quel moment. C'est pas toujours simple, voir les traitements passés, donc savoir exactement où on en est du traitement du patient avec précision pour pouvoir faire cette évaluation et évaluer donc la balance bénéfice-risque correcte du patient. Encore une fois, c'est pas le praticien qui prescrit qui va pouvoir savoir si on peut poser un implant ou pas. La balance bénéfice-risque, elle est à évaluer. C'est le dentiste qui va poser les implants qui peut l'évaluer. C'est ce que D'accord. conclure comme ça. Ben, un grand merci, Géraldine. Alors, moi, j'ai peut-être quelques informations pour la Société française de chirurgie orale. Déjà, vous pourrez nous retrouver le mercredi 24 novembre de 14h à 15h30 au congrès de l'ADF pour la séance de la Société française de chirurgie orale où sera abordée la chirurgie orale, une spécialité autant médicale que chirurgicale, avec le professeur Jean-Christophe Friquin qui nous fera une conférence et le docteur Guy Letout également. Donc, je vous invite à nous retrouver prochainement à l'ADF et puis aussi l'année prochaine à Aix-les-Bains pour notre congrès du 9 au 11 juin qui sera avec un programme assez important aussi notamment sur l'implantologie grâce à l'équipe de Chambéry et d'Aix-les-Bains, donc Lionel Aga et Alexandre Alpi qui nous accueilleront dans la Riviera des Alpes. Un grand merci à vous toutes et tous, un grand merci Géraldine d'avoir pris ce temps, un grand merci Jérôme qu'on ne voit pas et qui est juste à côté, mais pour toute la technicité et le fait que ça ait pu être aussi bien retransmis. J'avais quelques problèmes moi, mais je ne suis pas encore en connexion, on va dire, optique, hein, encore ADSL. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un webinaire qui a été très riche. Je vous rappelle que la Société française de chirurgie orale vous propose désormais en fait 3 webinaires par an. Et de ce fait, on se retrouvera prochainement pour un prochain webinaire en décembre ou en janvier 2022. Voilà, la date n'a pas encore été définie. Un grand merci à toutes et tous, bonne soirée et à très bientôt sur les différents sites de la Société française de chirurgie orale. Bonne soirée. Bonne soirée à tous!
Thank you.